Bonsoir et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. Défense. Ouais, André, salut. Les gens disent. Les gens te saluent. Bien courtoisement. Quel était le but de cette histoire déjà? Les gigantesques armées d'orques, gros malin. On ne les a pas. Donc toi défendre. De maître Cygnus et moi défendre ici, en fait. Kelsey a raison. Alors comment je vais placer mes barricades? Rassemble de plus petites factions orques pour créer des armées jamais vues depuis l'époque de Warwick. Et j'ai voté. Allons les piéger. Prêt à démarrer. T'as placé toutes les barricades? Il a rien placé. Au secours, vite! Vite! Regarde où j'ai placé. T'as pas regardé où j'ai placé. Oh, il se met dedans, il se met dans la sauce. Il se met dans la sauce. Oh là 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 là, cette sauce incroyable. C'est la sauce compétitive. Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes. La porte est détruite. La porte est détruite. Piou, 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 piou. Piou, piou. Oh, ils sont partis de l'autre côté. Hein. Ouais, mais on s'intéressera à les intercepter un jour. Bah, pas vraiment besoin, quoi. Genre, y a pas C'est ce que tu dis maintenant, mais pour l'instant, t'as jamais fait avec le deuxième pack dans la bouche. Hein. Bah, il tape pas les barricades. Oui, mais après, il faut que tu le tankes, ce deuxième pack que du coup, j'ai pas buté qui revient. Oui. Ah ouais. C'est vrai que je suis allé en abattre quelques-uns. Le problème c'est voilà, ça se sépare en deux et après il y a le soir qui se... Ah y'a Y'a un kobold qui est passé. C'est bon, je l'ai. Tac. Tac tac. Tac. Tada. T'es sûr de... Tu sais que tu peux tomber derrière, hein? Ouais, je sais. Moi j'ai voté. C'est parti. Get voted. Plus d'ennemis arrivent. C'est parted. C'est la parted. Une autre porte est attaquée. Ils font une percée par une autre Regardez porte. Regardez ça. Où les gardiens? Ils arrivent. Laisse-les faire un tour. Ils vont faire leur petit tour là, c'est bien. On laisse tout le temps de les abattre quand ils reviennent. Arbalétrier. Tu t'as pris dans la bouche, c'est un arbalétrier en fait. Directement dans la bouche, hein. Oh,
Ok, il est temps que je mette des ralentisseurs de l'autre côté. Ok. Plus d'ennemis arrivent. 3 vers toi. Et un vers moi. Ces sapeurs iront droit vers les barricades. Donc ils sont rapides et ils ont des bombes sur le dos. Sympa. Plus de sapeurs. Ok. J'arrive vers toi du coup. Là, ça va être la merde de mon côté. Regarde bien la carte, hein. Dès que tu vois des points jaunes, tu pars vers ton côté pour aller de l'autre côté. Là, normalement, tout c'est pour nous. Il y a donc l'archer. T'as mis des archers de côté, toi? Non? Ok, il y en a mort. Ouais, il y en a un peu en les trucs de côté. Tu sauras pas quoi en faire, t'aurais dû me le laisser. Ah, j'ai pas de contre-mur ici. J'en ai un là. Ça, c'est un contre-mur acceptable. En vrai, t'aurais pu en mettre. T'occupes, c'est un truc de professionnel. De ce dont je parle. On m'appelle le contre-mur dans le milieu. Bon, je te laisse mettre de la boue au sol. Plus d'ennemis arrivent. N'oublie pas, il y a du, il y a des chiants, il y a des types chiants qui arrivent. Quoi? Oui, un tonneau, il s'est carrément barré de ton côté. Ok, c'est bon, il n'y a plus rien. Ça risquera. T'aurais dû mettre de la boue plutôt qu'une tonne d'elfes. Là j'attends pour ajouter de la boue. T'aurais dû en mettre même devant en fait. Pour ralentir un maximum les seigneurs de la terre. Parce que quand ils viennent droit devant en fait les seigneurs de la terre, après t'es baisé. C'est ce qui fait que tu te fais déborder. Bah après tu peux les glacer pour le coup. Voilà, alors après on est obligé de les gérer à la main, rien du tout. Rien du tout, pire idée. Du coup, hop, ça va comme ça. Ah, il y avait un archer dynamique. Un archer dynamite. Il n'y a pas un meilleur endroit. C'est mort. On et a voilà réussi. Bonne leçon. Allez, salut bonhomme. Ok, là ça va passer de ton côté. Ah, c'est pour ça que je vais blinder un peu. J'ai blindé du tien quand même, hein. J'ai rajouté un peu. Ouais, mais là ça va passer que de ton côté normalement, quasiment. Ouais, c'est pour ça que je vais rester là. Bon, bah, ah, c'est parti. Ça va peut-être rebondir sur vers. Plus d'ennemis vers moi, arrivent. Mais si pour les dynamiteurs, je reste de ton côté pour t'aider. Les ennemis attaquent. Ah, non, va de ton côté, moi c'est bon, moi je peux gérer. Attention, nos défenses ont à nouveau été brisées. Ouais, y'a personne. T'as un item à ramasser aussi, je crois. Ah non, ça va être une popo. Ok. Ouais, c'est une popo de vie.
viennent pas me chercher. C'est vraiment ça la vaccin? Il y a deux dynamiteurs, deux cobalt dynamiteurs qui arrivent à toi. Ils peuvent. On est armé, prêt et dangereux. Voilà. C'est ça le professionnalisme. Mais j'ai pas besoin de toi ici, hein, vraiment. Bah, y'a personne qui vient voilà. Tous ceux de cette porte viendront automatiquement chez toi. Tous ceux de la porte gauche viennent sur toi. Obligatoirement. C'est ce que j'ai capté sur la mission où on est allé dans. Ok. Tous ceux de la porte droite vont sur moi, tous ceux de la porte gauche vont sur toi. C'est-à-dire qu'après, quand les trois. Là, ils vont mettre les trois portes après. Il va falloir gérer juste les dynamiteurs. Et il y a eu qu'un seul archive dynamiteur pour l'instant. Question. On l'a instant la dernière fois. Ah, bah tiens. Il y a deux dynamiteurs qui arrivent ici. Vague suivante, ok, c'est chacun de son côté. C'est ça le truc. Plus d'ennemis arrivent. Ok. Ouais, mais j'ai pas de dynamite moi de mon côté qui arrive. Pas pour l'instant, ouais. Regarde, aucun pour nous, je crois qu'on a des vagues, tu sais, genre similaires. Ouais, blinde-toi bien avec des clous là. On a gagné. Voilà, non, mais là j'ai. Bah, moi quasiment rien aussi. Ouais, juste genre... acte de présence, c'est tout ce que je fais. Hein. Bah, moi j'ai. Je suis les arbalétrieuses, que je suis des connards, mais. Vraiment juste ça. Ah, t'as deux dynamiteurs de ton côté. Ah, excellent. Merci pour l'info. Bah, j'avais deux déterminateurs de mon côté il y a très très longtemps, en 632, je crois, à peu près, avant Jésus-Christ. Pour l'instant, il y en a pas. Regarde les points jaunes qui se déplacent lentement, c'est les. C'est les archers avec dynamite. Et eux font mal. Oh, il faut les intercepter avant qu'ils viennent se taper. Deux dynamitaires de ton côté encore. Ils ont été arrêtés dans la fleur de l'âge. Ouais. Ok. Ça va les prendre au dépourvu. Alors faire gaffe après parce que du coup. Là, je crois qu'il n'y a plus que toi qui a besoin d'un coup de main là. Non, ça sera toujours pareil. Ah, okay, là, il va toujours avoir les. Du coup, il c'est va toujours avoir. En fait, il va. Ouais, c'est ça. Il va avoir toujours les dynamiteurs qui vont venir de ton côté. Donc, là, c'est impératif. Ils peuvent. De ton côté. Ils peuvent. Ils peuvent. Plus d'ennemis arrivent. Ça va te déchirer. On a de quoi les recevoir. J'ai pas encore tiré une flèche. Voilà, j'ai tiré une flèche quand même. Ils ont commencé par plus dynamiteur. Voilà, moi c'est terminé mon problème. Mon côté, hein, plus aucun problème, le problème n'existe pas. Moi aussi. Le problème c'est une légende urbaine, de mon côté. Dynamiteurs pour moi. T'as un dead ou pas? C'est ce que j'aimerais savoir. Non, non, pour l'instant non. On a gagné.
Non, pour l'instant tout va bien. Moi de mon côté tout va bien. Moi c'est très ok. Oh ouais, c'est comme ça que ça se passe. J'essaie de regarder là où sont les dynamiteurs. Bon bah, ça se passe aussi, hein, écoute. Hein. Oh, tu sais quoi? Hop, on va mettre ça ici, là. Toujours plus de caisses. Ah, il y en a qui passent un sale moment. Bon, moi, je suis prêt, hein, en ce qui me concerne. Bon, on peut rajouter hein. Plus de bouse. Genre, on commence à les ralentir dès ici. Plus d'ennemis arrivent. Ça va le faire. C'est bon. Ok. Ça se passe de ton côté? Ouais, pour l'instant ça passe, okay. Tranquille. C'est bah, j'ai quand même mis... Ouais, j'ai beaucoup d'archers quoi. Ah, j'en ai pas un seul. Attends, je suis reparti sur mes classicos. Hein. La technique de bourrage d'elfe n'ayant pas fonctionné. Je suis parti sur bourrage quand même, mais d'autres choses. Bourrage de... Les flèches dans tous les sens là. Des flèches et du goudron. Des flèches de feu et du goudron, mais, monsieur. Mais tu sais le 4 sur 3 là de goudron. Qui fait mal hein, dans l'allée. Avec tous les elfes de feu, les 4 rangées de ça. Il aurait quand même fallu que je place un portique parce que sinon le piège je vais jamais l'améliorer hein, si j'en place pas. Hein. Comme ça. Aïe! Le monsieur m'a tapé, pas gentil. Ah, mais tu peux les placer à côté de d'autres pièges, c'est intéressant ça. C'est rigolo ça. C'est quoi les trucs sur les murs? Ouais. Les gifleurs là, les bifleurs. Ils fonctionnent bien. Les bifleurs. Bah, en fait, derrière, tu sais, le bifleur il prend deux emplacements de mur. Ouais. Et ben en fait, tu peux mettre un autre piège derrière. J'ai pu mettre un piège derrière la partie grille. Hein. Et j'ai attends, mis. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Horrible, il faut qu'on réessaye. Mais je me demande comment tu fais pour avoir le temps. Bah, faut moins dormir sur les phases de prep. C'est uniquement sur les phases de prep hein, que tu gagnes. Hein. Ouais. Ah ouais. Hein. Et ouais, ouais. Et du coup, je pense que la phase initiale doit compter parce qu'on a perdu beaucoup de temps dessus. Ouais. Bon bah YouTube, ouais. On la réessaye maintenant, avec toi, je veux pas le savoir. C'est parti. C'est parti. Le niveau le plus long. Eh j'avoue, il est, il fait son temps. Hein. Ouais. Allez c'est parti, let's go. En vrai je pense que dans les premières vagues, on peut, préparer la défense côté droit. Alors, quel était le but de cette histoire déjà? Les gigantesques armées d'orques, gros malin. On ne les a pas vues depuis l'époque de Maître Cygnus et Vampire. Je pourrais même le déplacer un peu. Et maintenant, elles sont de retour. Hop. Kelsey a raison. Voilà. Ces nouvelles failles rouges rassemblent de plus petites factions orques pour créer des armées jamais vues depuis l'époque de Warwick. On s'en occupe, sorcière. Tu sais, si tu veux mettre un mur clouté ici, très clac. Il se fait des belles lignes. Ouais. Il se fait des belles lignes de connards. Ce que l'intérêt, c'est d'avoir aussi un maximum de lignes de connards, genre pareil, là, sur tous ceux qui viennent ici, là, avoir les trois murs à tapisser, là. Mais bon, allez, go. Okay. Go, on n'a pas le temps. Ou jamais. Go. Parce qu'il faut les tuer vite. Les ennemis préparent une percée de l'une de nos portes. Ils ont fait une percée via une porte. Allez les autres, dépêchez-vous, on est en retard. Allons-y. Ah, bah ça y est, j'ai pris une flèche d'arbalétrier, problème réglé. L'armée ennemie attaque sur un autre front.
Ah, cobalt. Cobalt de merde. Du code du cobalt. Bah ouais, mais non, j'ai pas de précision. Je suis pas à la souris, je suis à la manette, du coup c'est très chiant. J'ai aucune précision. Ok, il est mort. La petite cartouche nue. L'autre est en train de faire le tour. Ah, il est en train de revenir. C'est un cobalt aussi. Du coup, toi, t'as besoin de goudron maintenant et de pièges muraux de Kaliteru. Voilà, t'as besoin d'un truc comme ça, là. Ouais. D'un bifleur. Et tu vois, regarde derrière le bifleur. Ah, du coup, là, je peux pas le mettre. Ah, j'avais pu le mettre parce que c'était un renfoncement. Ah, intéressant. C'est très intéressant, ça. Nos ennemis, ils font une nouvelle percée. Espérons que ça marche. Ils ont détruit une autre porte. Ah, le jeu. Encore. Ça, c'est un stopper d'or. De la bifle. Si la Terre savait qu'on allait lui coller une bifle. Ah, elle aurait pas aimé. C'est vrai que le niveau il est long quand même, hein. Il a 8 vagues. Hein. Ouais. Ah ouais, non mais il est balèze. Bah, plus on avance, plus les levels sont balèzes. Hein. Ouais, vraiment. Et plus il y a de nouveaux types d'ennemis, plus c'est insupportable. T'as les mecs qui commencent à revenir de la droite. Oh ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Ok. Est-ce que je peux démonter ça du coup? Exactement. Je voudrais le mettre. Je peux pas le mettre là. Ah, oh, je suis deg. Faut que je le mette là. Mortel. Et lui, je peux pas. Ok, explosif. Explosif de ton côté. Je vais voir. Ah oui, va voir de mon côté. Quoi? Pourquoi je peux plus le mettre? Ah, il faut que je le pivote. Ces sapeurs iront droit vers les barricades. Excellent. Donc ils sont rapides et ils ont des bombes sur oh là le dos. Il y a moult seigneur de la terre ici. Sympa. Ok, c'est bon. J'y crois pas. C'est éliminé, j'arrive de ton côté. En fait, c'est ça qui est chiant de mon côté, c'est que je me tape tous les seigneurs de la terre. Ah bah moi j'ai des vagues de pure déco. Bah après moi je me tape beaucoup de trolls et d'ogres. Hein. Je pense que tu te tapes les seigneurs de la terre, mais je t'ai pas vu te taper beaucoup de trolls et d'ogres. Et quand tu tapes des trolls et des ogres, c'est qu'ils viennent de chez moi en général. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc il y a un petit équilibrage. Ils t'ont mis les seigneurs de la terre et moi ils m'ont mis autre chose. C'est des choses qui arrivent, arrête de te plaindre. Les seigneurs de la terre ils sont bien cachés quand même. Ouais, ils sont chiants. Hein. Ah bah ouais, en fait tu te tapes. Par exemple là, le gros qu'on voit juste là, il vient de chez moi là. Attends. Ok, normalement t'as ce qu'il te faut ici. Je vais aller claquer un peu de stuff de mon côté parce qu'il va falloir que je commence à ralentir les gens. Hop, hop. Et ouais, je commence à avoir de l'archer là. Ok, donc là c'est de l'exploseur. Bien pratique les exploseurs là. Pour faire des trous dans les vagues ennemies.
Ouais, exactement, pour les seigneurs de la terre, ils sont extrêmement pratiques. Bon, du coup, je réduis la vague de mon côté, on est d'accord. Ouais, vas-y, réduis. Enfin, pour l'instant, t'en as pas beaucoup, tout le gros va arriver sur moi. C'est ce que je vois sur la carte. Mais ouais, mais le problème, c'est que moi, je sais pas ce qui arrive. C'est du gros ou c'est des petits cons? Ouais, c'est du petit con. Ah, un archer explosif. Un archer explosif. Le seul. Je crois que c'est le seul archer explosif de la game. Regarde. Il y a un petit. Il y a un point jaune qui me passe lentement. Et il vient chez toi ou il vient chez moi celui-là? Chez moi. Tu vois mon gars? Ouais, c'est bon, il vient chez toi. Oh le voilà, il a tiré en dessus, fils de pute. Ma mana est faible. Ouais, mais non. Ça va pas marcher. Tu vois, j'ai l'impression de spam clic comme jamais pour tuer. Ah, tu peux maintenir ton clic enfoncé, je crois. Ouais. Bah, une fois qu'on a compris ce niveau, c'est moins compliqué hein, en vrai. Hein. Bah, une fois que tu connais les vagues par cœur, oui. Faut encore les apprendre par cœur. Je sens que quand tu vas monter en difficulté, ça va être exactement ça. Je commence à comprendre. Ah, on peut mettre des trucs qui claquent dans l'autre sens, c'est rigolo ça. Et tu vois, alors tu peux pas venir voir là parce que je pense que t'es un petit peu occupé, mais on peut faire des trucs rigolos chez moi. Avec les bifleurs. Ouais. Tu ah mais regarde, j'ai pu mettre, vu qu'on a un léger décalage, j'ai pu ranger une machine à clous derrière. Bon, pour clouter plus de gens. Il y a un peu de vis hein, dans cet homme, je te cache pas. Mais c'est bah, allez, go, excuse-moi. Putain, j'ai oublié de dire. Il fallait me le dire. Vite, la horde. Mais là, ce qui va, c'est que moi j'ai un pont. Et je l'évite. Et toi, t'as un arc. Et toi, tu fous des coups de bourre. Hein. La logique. Oui, c'est vrai. Toi, tu me filais plus de subtilité. J'ai plus une dégaine de surfeur. Exactement. Ah, j'ai vu la bifleur passer. Ça, c'est un arbalétrier qui est en train de te défoncer. Deux exploseurs. Du coup, je prends des flèches à ta place. C'est génial ça, juste parce que je suis derrière. C'est dégueulasse. C'est parce que je suis black. Je crois que c'est pour ça en plus. Oh, j'adore quand les trolls se prennent les bifleurs. C'est mort. Oh, les ogres sont de ton côté. T'as pas un seigneur de la terre. Non, que des ogres et des trolls. Par contre, bah, comme tu peux voir, j'en ai un certain nombre. Non. Par contre, on va pas voir. Attention, exploseur. T'as quand même voulu prendre mon bonus. T'en as pas besoin. Oui, c'est vrai que j'ai pas fait passer du côté. Voilà. Ils ne passeront pas. Easy. EZ. Ouh. Ça a failli être compliqué à un moment donné. Je sais pas quand. Mais je suis sûr que ça a dû être compliqué. À un moment donné. Plus d'ennemis. Bon bah là, toi t'as ta moitié, moi j'ai ma moitié. Ouais, mais normalement je peux venir te filer un coup de main. Hein. Normalement là ça est. Reste au cas où s'il y a des exploseurs. Ouais, pour l'instant il y en a pas. Donc. Ouais. Bah écoute, j'attends. Je suis très sage, j'adore. Obéissant. Oh les déluges de flèches quoi. Ah, il y en a, il ouille hein. Je crois qu'ils aiment vraiment pas les goudrons. Hein. Ah, ça y est, attention, il y a de l'exploseur. Enfin, chez moi, ça arrive en tout cas. Toi, je sais pas. Moi, ça va arriver, je pense. Bon, y a plus d'exploseur chez moi. On y arrivera jamais. Je pense que c'est chaud quand même. Hein.
Non, c'est un orc qui disait ça. J'y crois. Il me fume les orcs. Ah, plus de mana. Ah, mana. Brrr, Kalashnikov. Ça s'est calmé. Ça va le faire. Moi je les ai chassés. Prépare ta vague suivante. Plus d'archers. Ça va déchirer. Moi plus de boue. Plus de bouillasse. Hein. Plus d'ennemis arrivent. Ils vont tous officiellement passer un très mauvais moment. Rien. Bon. Je peux pas tuer un mec vite fait là que je gagne 3$. Ah c'est bon, merci. Prends des meubles à toi. Je pense que les seigneurs de la ville, les seigneurs de la terre sont les plus casse-couilles. Enfin, ah oui forcément, ils sont tanky puis après ils se subdivisent alors forcément ils sont une parole. Et les élémentaires de terre sont quand même pas mal tanky. Moi il me faut 4 coups de pompe, enfin 3 coups de pompe pour les tuer. Ah mais ça c'est pas la bouche. Ah si, en visant la bouche. Ah, bah t'as de la chance parce que moi c'est plus hein. Ouais ouais ils sont en fuyant. J'ai vraiment fait ça. On a gagné. Oh, j'ai un crâne. Plus d'ennemis arrivent. Dernière vague. À chaque fois que je vois cette putain de piège, c'est comme ça que ça se passe. Retourner en arrière et coincer enfin et renvoyer les seigneurs de la terre dans l'escalier. Oh mais j'ai le crâne. J'offre des crânes, c'est ça. Moi ça se passe tranquillement. Hein. On a réussi. Voilà. Sentier de la guerre, succès déverrouillé. Et ben voilà. Bon, ça veut dire qu'on est 5 étoiles là. Acheter des améliorations oui. Pour voir. Oui, ça s'est mieux passé là. Oui. C'est mieux passé. Et ben voilà. Et tu vois, ça nous a donné aussi un crâne d'apprenti. Que comme si on avait gagné le temps sur les apprentis. Voilà. Bah des bisous YouTube à l'année prochaine. Ciao. Des bisous.